Hop là, on relance l'enregistrement. Coucou à vous. Nous sommes actuellement sur The Forest pour la quatrième vidéo, je crois, pour ce soir. Il faut que je lance le timer de 40 minutes. Et je pense que, comme je disais, oui, ce soir, on s'arrêtera vers minuit, histoire que je puisse bosser correctement demain matin. Dans 2 semaines. Un monsieur bip un jour. Pour l'instant, je t'avoue que j'ai plein plein de dessins à faire, ma Topex. Mais quand je dis plein, c'est plein plein plein. Certains qui sont rémunérés, d'autres non. Donc là, c'est un peu chaud de réussir à tout faire. Pourquoi ça rame d'un seul coup comme ça là? Ah non, c'est juste que j'ai plus d'endurance. Donc on va manger notre dernière barre de céréales. Ça va pas être joyeux. Parce qu'après, j'ai plus rien. Timber! Punaise, j'ai bien cru que ça allait tomber dans la sur les maisons. Pourtant, je me coupe pas de ce côté-là, quoi. Elle est plus que 78. C'est bien, ça se construit vite quand même. Si je pouvais avoir terminé dans la journée, ce serait cool. Quelle idée, Matt! Mais bon, si tu te fais plaisir dans ton boulot, tout va bien. Bonne nuit, Sophisto. Effectivement, bonne nuit à vous si vous partez, les enfants. Ah si, c'est en train de pousser par là-bas, les planches. Enfin, les planches. Ce que je dépose, ça fonctionne là-bas. Eh oui, bon courage pour l'examen, Soso, du coup. Je commence à être un peu à la ramasse, moi, mais... Effectivement, il faut y penser. Bon courage à toi. Bon bah il est embêtant ce bois à la tombe. Il faut vraiment que je trouve un moyen simple de faire du stick, des bâtons. Je sais pas s'il en existe à partir de ce bois là. Là ça commence à être un petit peu long quand même. Ah si seulement c'était Minecraft. Parce que là on peut pas creuser, c'est une chose qui fait que moi déjà j'aime moins The Forest. Bah bon fermage de yeux Matt, merci beaucoup d'être abonné et d'être resté si longtemps sur ce live. Bon courage à toi, prends soin de toi, puis peut-être à une prochaine fois alors. On est tous à la ramasse. Ah, je sais pas, il y a des gens qui résistent mieux au sommeil que d'autres. Hein? Je rêve. Ah, mais j'ai cette hache là, c'est pas celle-là que je veux, moi, c'est celle-là. Non! Ah, j'ai eu peur! Je me dis, ça y est, ça va tomber sur le truc, ça va tout casser. Ah, nous la cabane! 59. Punaise, 31 sur 89, c'est qu'il en faut pour construire une petite cabane de rien du tout là. Peut-être que je pense à me faire des. Un truc pour tourner les trous, traîner les trous. Ah, j'ai déjà plus d'endurance.
Et je suis en train de calculer qu'en plus j'ai plus rien à manger. Est-ce qu'un truc c'est à ramener dans le piège ou pas? Toujours rien. Est-ce que les baies ont poussé là-bas? Ouais, et ça c'est plutôt cool. Oh, j'ai plus du tout de pierre à mettre nulle part là. C'est forcément du sérieux. C'est bien, Quentin. C'est pas un mauvais jeu, Minecraft. Hein. Même si je. J'ai tendance à moins l'aimer que Seven Days to Die de par son manque de d'intérêt vis-à-vis de la survie. J'aime bien les jeux de survie là comme ça. Demain quand j'arrive à les comprendre. Et qu'ils ont un rythme cool. Parce que j'avais essayé Ark aussi, qui est vachement sympathique. Mais ah, il y a une fenêtre ici aussi. Mince, faudrait que je trouve un moyen de la planquer par la suite. Mais comme je disais, oui, Ark, le problème, c'est que l'évolution est très très lente, je trouve, dans le jeu. Donc il vaut mieux jouer à plusieurs. Ouais, c'était plus que moyen, les maths, hein. Si je devais définir mon niveau, ce serait catastrophique. Elle est plus que 51 arbres. Mais pourquoi on est revenu cette hache-là? On va attendre un petit peu que le temps passe. Merde de colle pour la peine. Comment c'est violent la punition? Kaboum, kaboum. Il me reste encore 45, ça me paraît énorme. Bah écoute, qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour sauver son fils? Enfin, j'avoue que ça fait quand même quelques jours qu'on est arrivé sur le terrain, et pour l'instant, je n'ai pas encore une seule fois essayé de le retrouver. Hein. On peut se monter un serveur Ark. Bah, ce serait peut-être pas bête, mais je sais que j'y jouerai très très peu. Franchement. Mais un de ces quatre, au pire, si vous le voulez, oui. On pourra essayer de se faire une série bah, spéciale sur Ark. C'est-à-dire, là, on essaiera de prévoir plusieurs lives. Déjà, il va y avoir la saison 15 la saison 15, qu'est-ce que je raconte? 4, pardon. De Seven Days to Die, que normalement, je devrais commencer ce week-end, si tout se passe bien. Et après, on verra comment les choses se passent par la suite. Mais bon, à une époque, j'avais essayé, je m'étais dit que je pouvais faire une série sur Subnautica. Mais je pense que si je fais ça, ce sera uniquement en live. Parce que Seven Days to Die, je le connais très bien. Ark, si on y joue à plusieurs, ça peut passer si on s'en sort bien aussi. Parce que faut que des personnes connaissent mieux que le jeu que moi. Parce que t'as pas le droit de bouger, sûrement pour l'heure de colle. C'est quoi une aire de colis? Cette hache est tentée.
Oula, il s'est passé quoi là? Ah, j'ai tué un lézard! Je suis désolé, t'étais pas prévu toi à la base, mais. Ouh, c'est un peu violent quand même. Je suis couvert de sang, quelle honte! Du coup, je vais mettre la viande à sécher, voilà. Et ensuite, la peau, je vais la garder avec moi. Là, je vais planter une autre plante, ok. Un petit peu d'eau. Il faudrait que je tourne à la plage, vite fait. Ah, il me reste plus que 37 trucs là. C'est dommage quand même pour si peu. Bon, ça va, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on croise énormément d'ennemis. Voilà, et c'est bon, je tiens. Un peu de vert. The Rainbow Road. Version chat. C'est mignon. Ouais, pourquoi pas sur Ark? On pourra essayer de se faire une partie. Mais il faudrait prévoir des journées où il y a quand même un certain nombre de personnes qui se connectent ou. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est que là j'attaque la saison de 4 de 7 Days. Une fois que la saison 4 de 7 Days est terminée de filmer, on pourra essayer. Ouh, il y a un truc là-bas. De se lancer sur du arc, du coup. Bon, voilà, je me suis fait avoir, y a rien. Saleté. Un lapin s'est échappé. J'imagine que le calde est reparti depuis. J'y pense. Non, rien. Voilà. Il restait pas un tronc quelque part dans le coin? Il va encore commencer à faire nuit et on n'a pas encore fait tout ce qu'on devait faire. Il nous reste 33 troncs à battre. À battre, pardon. Je me suis escape. Ah bon? Le calde n'est pas si loin. J'ai vu que tes jeux étaient de nouveau disponibles. Donc tu devais pas être si loin que ça. J'ai l'impression que ça va encore nous prendre des heures de finir cette construction. Tout ça pour une pauvre petite cabane. Comment ça va être bien plus agréable de pouvoir faire plein d'allers-retours quand on a plusieurs sur ce jeu. J'ai déjà plus d'endurance et c'est vrai que j'ai plus rien à manger aussi. En mettant le live. Ah, deux écrans. Le problème des serveurs en multi comme ça, c'est qu'à partir du moment où ils sont lancés, enfin, c'est pour ça que j'héberge moi-même la partie qu'on va filmer sur 7 Days to Die, c'est pour éviter que le serveur puisse continuer si jamais j'ai un plantage ou autre. Parce que si le jeu quitte d'un seul coup chez moi et que le serveur continue à avancer, ça n'a plus aucun intérêt du coup. La saison n'est pas complète. Allez, plus que 25, donc ça veut dire que le lendemain, on aura terminé nos. Oh, j'ai plus d'endurance, quoi.
pour la vie, je mange un petit peu. Avoir deux écrans minimum, je suis bien d'accord. Ce sera sans moi. Oui, c'est le jeu réclame beaucoup, beaucoup de puissance, non? C'est ça le problème. Va falloir passer au nouveau PC, Nico. Je vais sauvegarder au cas où. Je vais attendre qu'il fasse vraiment nuit. Il y a un deuxième truc de cassé en fait par là-bas. Le lézard ici, je le mangerai demain. Et là, je pense que je vais aller dormir. En plus, on n'y voit rien du tout vu qu'il fait nuit. Est-ce que ça va se passer correctement ou pas? Oui! Par contre, ils me disent que j'ai faim. Donc, on va faire comme ceci. Déjà, on va aller voir dans le piège s'il y a un truc qui est resté ou pas. Bien sûr, le piège, il n'y a rien dedans. Le lapin s'est encore échappé. Honte à lui. Voilà, on a toujours un là, mais j'aimerais bien avoir plus quand même, moi. Je vais récupérer la viande. On va la faire cuire, on va la manger. Il est où mon lézard? Parce que c'est bien gentil, mais... Il est passé où mon lézard? Sérieux? Ah, attendez, je crois que j'ai eu... Ah, ça y est, je peux le manger. Oh, génial. Merci lézard. J'aime pas les pierres sur mon terrain. Où sont les autres troncs qui sont tombés tout à l'heure? Il faudrait peut-être que je prenne des médics aussi. Voilà. Tout à l'heure, j'ai fait tomber un arbre et je ne vois aucun tronc supplémentaire alors qu'il y en a sûrement d'autres qui étaient restés par là. Bref, il ne reste plus que 18 troncs à placer. On a une nouvelle maison. Je ne vais pas m'en plaindre, tant mieux pour moi. Et j'essaierai de tuer un lézard. Le gars qui te regarde bosser derrière. Un dans chaque univers. C'est beau, c'est mignon. Il y a plein de lapins que je croise. Faut vraiment que je me fasse un arc et des machins pour... essayer de tuer tout ce petit monde. Il faut bien qu'on... Ah, il y a un tronc qui reste là-bas. Bonne nuit, Zatral. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi et puis à la prochaine. Merci d'être resté. Ah, chut. Je sais qu'il faut pas jouer avec le feu. Papa et maman me l'ont dit, mais j'ai tendance à me rater quand même. Le... Oh, des sticks. Hello, Samu. Tous les oiseaux volent dans le ciel.
Les poissons font les bulles et l'herbe est verte dans la forêt, dans la forêt. Je la connaissais par cœur. Je me suis acheté un pull, il est en laine et en jersey. En jersey. Je ne mange plus de pommes car je suis tombé sur un pépin, sur un pépin. C'est tellement débile. C'était fait exprès, hein, mais bon. Charlingals. Et salut Bérégon, j'ai du mal à lire ton pseudo, mais coucou à toi. Bienvenue. Allez, fais un effort, l'herbe tombe, s'il te plaît. Pas que ça à faire. Allez, plus que cette petite run, une cabane juste à nous. Oh, y a un gros tronc là-bas, non? Ou je rêve? Là, tu viens avec moi. C'est vrai que j'ai l'impression que la rediffusion n'est pas très fluide. Comme si mon ordinateur avait du mal à tout faire en même temps. Ah, j'ai plus d'endurance. Allez, on se bouge. Ah, je lui ai fait peur. J'ai cru qu'il y avait un lézard quelque part dans le coin là-bas, mais au final. Parce que là, il va bien falloir que j'essaie de me retrouver de la viande quelque part. Je ne sais pas trop à quoi sert le three soap, machin chose. Allez, allez, nouvelle maison. Nouvelle maison. Va sauvegarder. Un lézard. Bah si, c'est tout cassé là, mon truc. Ensuite. Donc ça c'est fait. On a une protection. Ce qui serait bien, serait de réussir à faire un lit. Bed. Ça me semble plutôt bien, ça, comme lit. Et il nous faut. Ensuite, on va aussi se faire de la corde. Qu'est-ce qu'il en faut des trucs? Pour se faire de la corde. Voilà. Une corde, il me manque encore des sticks. Et après, il me faut des peaux d'animaux. Mais les peaux d'animaux, puisque j'en ai pas sous la main. Comment on peut faire un arc? C'est la question. L'arc, il se fait comment? On va essayer de regarder ça. Craft weapon. Il faut a stick with claws and rope. La question, c'est combien de cordes il va nous falloir exactement? Stick bag. Crafted bow. Il nous faut maintenant du stick pour terminer. Yes. Et donc il nous faut des flèches maintenant. Comment on fait les flèches? J'ai réussi mon premier arc. Arrows. One stick and with five feather. C'est quoi
Twinberries. Ah non, c'est pour faire du poison. Mais je viens de voir que c'était des peaux de lapin qu'il me fallait pour poser le lit. Et je vois que derrière, hop. Et bien sûr, il va rien avoir dedans. Qu'est-ce que je disais? Les lapins ont décidé de m'en vouloir. Et comment ça m'a fait vite par rapport au point de départ? J'ai l'impression qu'il n'y a plus grand chose autour de nous. Et j'aurais qui me gratte. De plomb? Bah pas forcément, non. Ah. T'avais grave eu ton pot là, parce que j'ai cru que c'était Nico qui avait écrit d'un seul coup, je comprenais pas de quoi il parlait. Hop là. Ah, c'est des plumes qu'il faut. Et comment je peux avoir des plumes? Ah, attends, viens là. Je sais ce que je vais manger demain. C'est que je vois pas, je vois passer, mais après je sais pas où est-ce qu'il va. Toi, tout ce que je sais, c'est que tu vas venir avec moi. Oh, un lapin! Il est où? Je sais pas où est-ce qu'il est passé. Petit lapin! Petit. Si après encore j'arrive à lancer ça correctement. Mais le problème c'est que non, je ne sais pas faire lancer correctement ce truc. Il me faut des plumes. Great Spears. Ça, je dois pouvoir faire les l'armure d'os. Il y avait un piaf là, j'étais trop bête, j'aurais dû l'autre aussi l'attraper. On va essayer de faire ça. Ils sont mes os. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Yes, j'ai un tout petit peu de d'armure. Voilà. Non, je me trompe. Comment je vais pas aller bien loin avec ça? Pas trop d'efforts. Il y avait ça aussi que je voulais améliorer, je crois. Et il disait quoi? Three bones and two cloths. Ok.
J'en ai bientôt plus d'eau, plus d'eau. Il va falloir partir à la chasse. C'est quoi qu'il fallait à la fin? Ah, j'ai oublié déjà. Je crois que c'était des Klaus. Two Klaus. Three bones, two Klaus. Allez, à la chasse à la bouffe maintenant. J'aimerais bien trouver des solutions. Y a quoi ici? Ah, ici y a le truc pour descendre. Non mais viens là le petit lapin. Je veux juste te tuer, t'attraper. Oh, rien de bien méchant quand même pour lui. Oh, du coup, je suis revenu ici, ok. Oh, les oiseaux. Ah non, c'est des... Ouais, non, j'ai pas envie d'y aller. J'ai peut-être évité ça quand même. Je pense pas du tout que ce soit une bonne idée. D'aller explorer une caverne comme ça. Je dirais même que c'est suicidaire, si vous voulez mon avis. Ah, je me suis épuisé avant. Oh, je l'ai eu. De la viande. Ah, c'est bon. Il t'y content. Bon, s'ils veulent m'attaquer là-bas, ils ont quoi venir. Pour le moment, j'ai autre chose à faire. Faut que je tue des animaux. Encore un autre lapin. Ah, j'ai plus assez d'endurance. Petit lapin. Ah, je l'ai raté encore. C'est pas de bol, ça. Montre à soi-même qui est le chef. Bonne nuit, Lucas, fais de beaux rêves. Bon courage à toi pour la suite. Et prends soin de toi. Entendre des bruits de pas. Donc, hop. Est-ce que nous avons attrapé quelque chose? Non, rien pour le moment. Bon, ce serait cool quand même qu'on ait un deuxième lapin. Histoire qu'ils puissent se reproduire entre eux et puis. Oh, un lapin! Je pense que ça m'a embêté ça. Là, maintenant dans la guilde des voleurs, bien ça. Je sais plus comment il s'appelle. Corbeau quelque chose, non? Ça me frustre. J'aimerais bien trouver d'autres lapins. On va utiliser la peau de lapin qu'on a là. Continuer le lit. On va peut-être chercher à se faire d'autres défenses en plus. Histoire d'être plus tranquille.
Je comprends pas trop là. Ah, c'est pour consolider les murs. On avait plein de pierres, c'est l'occasion. Je me sentirais plus à l'aise là-dedans. Attendez, j'espère que... Ah non, attendez. Bizarre cette histoire. Je comprends pas tout. Ça ne prend compte que certains murs en fait. C'est bon, c'est fini. Ma dernière pierre. Attends, on peut emporter que 5 maximum à chaque fois. J'ignore complètement ce que je suis en train de faire là. Bonne nuit, Mérigon. Prends soin de toi et à la prochaine. Non, c'est un caillou. Ça aussi, ça aussi. Pourquoi 12 rocks? Ah, ça c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Alors, moi je peux encore en prendre un, voilà. En tout cas, ça fait plaisir, j'avais pas eu le temps de lire ton précédent message. Ça fait vraiment plaisir ce que tu viens de dire, Bérégon. Bonne nuit à toi, prends soin de toi. Par le rhume pour ce soir. Là, moi aussi, je vais me coucher. J'attends la fin des 40 minutes de la rediffusion. Et puis après, dodo. Parce qu'on le voit bien. C'est bon, on a fini là, avec ça? Ok. Déposer les pierres que j'ai en trop ici, du coup. Voilà. Ensuite, pomme. Non. Quoique, attendez, si j'y réfléchis bien. Je vais me reconstruire un feu. Là. Je pense que je vais détruire l'autre. Feu de camp, s'il vous plaît. Ok, donc non, parce que je regardais ce qu'il y avait comme d'autres feux, mais je peux pas très bien lire au final. C'est...
Ah bah si, on arrive au bout des 40 minutes, donc je pense que je vais sauvegarder. Et on va s'arrêter ici pour ce soir. On verra la suite une prochaine fois. Hop là, et on va s'arrêter là du coup. On a sauvegardé. Et voilà, Exit to Windows. J'ai horreur de ces grottes comme ça, j'ai l'impression que ça a l'air très très long d'en sortir. Et ça me déplaît un peu.